Donc, un point important, c'est bien sûr pour 2022, c'est la relabellisation des centres, hein, donc des centres constitutifs et de compétences. Alors là, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, mais donc c'est le programme de cette relabellisation. Donc là, nous sommes septembre 2021 à mars 2022 en bas, où la DGOS prépare le texte officiel de l'appel à projet, mais qui ne sera disponible que, vous voyez, à la mi-mai 2022. Et pour nous, l'étape importante, c'est ça. Renvoyer notre copie avec les centres qui postulent. Et donc, une réponse est attendue fin 2022 pour un début vraiment effectif des nouveaux centres, début 2023. Et on nous jure que le financement, il y aura une continuité dans le financement. Donc il faut bien sûr s'en préoccuper dès maintenant. Et je sais que donc, cette démarche a été entreprise au sein de chaque réseau. Donc on a quelques éléments de réflexion. Un des éléments, c'est la répartition géographique actuelle. Vous voyez qu'il y a certaines régions qui sont sans doute insuffisamment couvertes, mais il faut bien sûr tenir compte de la volonté, de l'implication des centres qui seront candidats et de la qualité de ces centres. Donc aussi un autre élément de réflexion, c'est comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, c'est le souhait de faire participer, enfin de tenir compte des patients vus en pédiatrie, donc de faciliter l'association d'un centre adulte et d'un centre plutôt pédiatrique. Et Aurélie va vous dire quelques points d'attention particuliers, en sachant que malheureusement, on n'a pas encore le texte officiel des conditions, puisque ça sera qu'en mars prochain, on saura vraiment les conditions pour remplir ça. Mais donc, au niveau de chaque réseau, je sais qu'il y a déjà des demandes qui remontent. Donc, est-ce qu'il y a des centres, est-ce que les centres veulent rester centres de compétences ou constitutifs? Est-ce qu'il y a des centres de compétences qui veulent devenir constitutifs? Est-ce qu'il y a des centres, je crois qu'on n'a pas encore vu des centres constitutifs qui veulent devenir devenir des centres de compétences, en sachant qu'une notion importante à avoir, c'est que probablement, même si bien sûr on souhaite qu'il y ait plus de centres constitutifs, puisque bien sûr il y a l'aspect financement, que la part du gâteau, le gâteau va rester le même, si j'ose dire, le budget des centres. Et donc on ne sait pas encore si ensuite l'adaptation sera faite filière par filière, réseau par réseau. Donc en tout cas, s'il y a une augmentation des centres constitutifs, on peut s'attendre à une diminution du budget actuel individuel de chaque centre constitutif, mais on ne sait pas du tout comment se fera l'arbitrage. Et on espère qu'on en saura un peu plus au printemps. Donc, Aurélie, quelques points importants basés sur l'appel à projet précédent. Il n'y a aucun espoir pour qu'il y ait un petit financement des centres de compétences.
Parce que les centres de compétences, ils marchent que sur le volontariat, et c'est ce qu'on disait, ça repose sur une personne. Et si cette personne n'est pas là... Voilà. Les arcs Bamara, tu veux dire ? Oui. Ouais. Bah, oui, mais les arcs Bamara, il faut leur donner les infos, quoi. Ouais. Le problème, il est d'aller chercher l'information. Donc, je ne sais pas comment sont organisés les centres, mais nous, on n'a aucun moyen en consultation d'avoir le diagnostic des patients. Donc, on a mis en place depuis 5 ou 6 ans un diagnostic qui est rempli ou pas rempli, et puis on part de ça. Nous, donc c'est de l'artisanat. Nous aussi, hein, c'est tout à fait artisanal. Ah bon. C'est-à-dire qu'en consultation, on a notre feuille de consultation, oui. Et à côté, voilà. On note, ah et bah après on le donne. Ah bah oui. Ah bah non, on n'a oui, pas oui, d'outils. Oui, non, mais c'est à la papa, si j'ose dire. Hein. Enfin, ouais, écoutez, donc ça dépend de la bonne volonté du consultant. Voilà. Et après, il faut aussi le remettre à quelqu'un qui va coder. Mais là, vous avez les techs fil foie qui viennent sur place. Non, mais les techs, ça marche très bien, mais c'est tout le travail avant. Ah oui, oui. Mmh. Et ça, il n'y a personne pour le, voilà. Pour le faire. Donc, ça repose vraiment. Tout à fait, non, mais on est bien conscient du problème de l'absence de financement des centres de compétences. Enfin, ça, c'est une question qu'on remonte depuis la création de la filière, depuis presque toujours. Au niveau de la DGOS, mais là on fait des vagues promesses, oui peut-être. Non, mais tu vois, juste un peu de secrétariat. Alors il y aura le PNMR 4, mais honnêtement, on n'a pas grand espoir de décision effective. C'est pour ça que là, en tout cas, cette labellisation avec les centres constitutifs là, qui ont un financement, c'est un point important, c'est une étape importante. Non, je voulais juste rajouter dans cette lignée-là, le déploiement des techs fil foie en France, à mon avis, est une réalisation majeure de fil foie. Et je pense que fil foie, si j'ai bien compris, a été moteur vis-à-vis des autres filières sur ce sujet-là. Tout à fait, nous avons été un modèle. Non, mais c'est-à-dire qu'on a détourné l'argent, on a eu des discussions multiples sur ce sujet-là, et depuis pendant des années, on a détourné, si je puis dire, l'argent qui n'était pas fait pour ça. Et en fait, les autres sont aperçus que finalement, notre manière, si je puis dire, de détourner l'argent pour le distribuer en région, était la bonne manière. Et donc, ça a été copié. Est-ce que je retranscris à peu près la vérité? Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette mutualisation avec G2M, c'est un bon exemple que ce modèle a séduit les autres filières. Donc, je pense que là, pour le coup, c'est une réalisation très positive de Filfoy dont on peut se... Alors évidemment, on pourrait vouloir plus, mieux, etc. Mais n'empêche que... Et puis l'autre étape d'après, ça a été la mutualisation avec G2M qui a permis d'aller en région encore plus, plutôt que d'en avoir 4 en France, on est à 8 ou 9, 10 en France. 9, et donc, du coup, on essaie d'aller au plus, plus proche, évidemment. Mais... C'est pas assez, mais quand on regarde dans le rétroviseur, c'est franchement mieux, je pense, que ce qu'on avait il y a 10 ans. Donc. On ne peut pas quand même, au niveau national, réfléchir sur une extraction à partir de nos dossiers médicaux qui sont multiples, c'est bien ça le problème, une extraction systématique, parce qu'il y a bien un moyen quand même de repérer ces patients. C'est quand même une réflexion par des informaticiens ou je ne sais quoi, enfin 2022... Avec le codage pour les patients hospitalisés, mais pas pour la consultation pour l'instant. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que au niveau national, ça les intéresse non, pas, quoi. Mais non, la consultation, c'est, je crois que c'est impossible pour l'instant avec le codage. Alors, juste ce que je voulais juste ajouter, juste pour les toujours ces techs fil foie, les plateformes prennent la même initiative que fil foie, c'est-à-dire que les plateformes Aledira, si vous en avez sur votre territoire, font la même chose pour nous, ils vont nous aider. Pour notre centre de compétences MIVBH pour Bamara. Oui, et je pense qu'au niveau. Donc on parle d'outils informatiques. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'outils informatiques au niveau dossier patient qui soit vraiment harmonisé au niveau territorial et toutes les directions informatiques sont locales. Donc je pense que les plateformes vont effectivement représenter une étape intéressante pour travailler au niveau local sur ce qui peut être fait au niveau informatique. On aura beaucoup de mal à travailler au niveau national sur autant d'outils différents et apporter une aide pertinente. Mais en revanche, au sein de chaque structure, de chaque région, là, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire. Ça viendra, on l'espère, avec là les plateformes qui se diffusent. Et juste, comme on est en ligne aussi, donc c'est pas détourner de l'argent, hein, c'est allouer des ressources différemment.
de l'allocation de ressources. Ah, c'est pas ce que vous me dites dans mon bureau, hein. Mais on a, il y a moins de la terminologie. Est importante. Bon. Très bien, pour reprendre sur la présentation, alors je vais être très très rapide, hein. Normalement vous connaissez un petit peu tout ça, et puis c'est que des informations de 2016, hein. On attend avec grande impatience l'actualisation. On vous rappelle simplement que pour être centre de référence constitutif, un des critères qui est parfois difficile à obtenir, c'est un projet de recherche clinique ou fondamentale financé, pour lequel le centre doit être investigateur principal. Donc ça, c'est souvent bloquant, hein, pour les centres de compétences qui veulent cette promotion, on va dire, en centre de référence. Après, au niveau de la file active, c'est plus de 75 patients. Et sur le reste, un aspect très, très important, c'est la participation et le soutien des associations de patients. On le dira jamais assez. Donc ça, c'est pour les centres de référence. Pour les centres de compétences, il y a cette même volonté, hein. Donc, au niveau file active, c'est plus de 25 patients. Et en revanche, toujours participation, soutien des associations de patients. Et la participation, donc ça, c'est, on parlait de bonne volonté, hein. C'est vrai que pour les centres de compétences, on est là-dessus. Mais sur la collecte des données BNDMR, le remplissage Bamara. Quelques points d'attention, donc là, c'est par rapport surtout au centre de référence. Les conditions pour être coordonnateur, centre de référence ou centre de compétences, c'est PUPH ou praticien hospitalier à temps plein. Donc ça, gardez-le en tête. C'est dans l'instruction de 2016, on sait qu'il y a eu des dérogations qui sont possibles, mais ça sera au cas par cas. Donc si la condition est remplie, c'est plus simple, on va dire. Et pour les candidatures de CRMR multisites, attention, les sites maladies rares multi-établissements, donc mettre en commun des files actives de deux établissements différents, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par exemple, on ne peut pas faire une labellisation, je ne sais pas, Saint-Antoine-Necker sur centre pédiatrique, centre adulte. Ça ne peut pas se faire. Mais je croyais que la paix était une unique et grande famille. Ah bah oui, très très harmonisée dans ses pratiques surtout. Non, pour la PHP par exemple, c'est un cas. On sait que les HCL à Lyon, c'est possible parce que dans Bamara ils sont codés en tant que HCL, donc ça, il y a plus de possibilités. La PHM, il me semble que c'est la même chose, donc au niveau de Marseille. Mais pour les autres, attention, demandez-nous. En fait, le mieux, c'est de nous remonter les questions, qu'on puisse en discuter avec la BNDMR. Mais on va vraiment avoir des blocages à ce niveau-là. Si vous souhaitez grouper des files actives multi-établissements. Par rapport à ça, d'ailleurs, je sais que Christophe Corpechaud a fait une diffusion au sein de son réseau pour demander aux centres adultes s'ils travaillaient avec des collègues pédiatriques, donc pour les patients, parce qu'on en parle, hein, les patients mineurs sur le réseau MIVBH, au sein du même établissement. Donc ça va nous permettre, en fait, au sein du même établissement, éventuellement de grouper des files actives. En revanche, quand ça sera plus des établissements extérieurs, là, la réflexion se fera sur une labellisation d'un centre exclusivement pédiatrique, si c'est dans un autre hôpital. Par exemple, c'est le même établissement, même si ça n'a pas le même nom. Enfin, c'est compliqué, donc bien donc garder. Le mieux, c'est vraiment de revenir vers nous. On pourra répondre à vos questions, hein, sur cette relabellisation. On se tiendra évidemment à votre disposition. Et alors, quelques mots. Attendez, juste là, parce que donc c'est un point important. Il n'y avait pas d'autres questions ou réflexions sur cette labellisation. Donc malheureusement, on aura vraiment le texte, les conditions strictes. On aura connaissance que au printemps là. Eh ben, il faut déposer mi-octobre. Enfin. On aura l'été. On aura l'été. Personne ne part en vacances, évidemment. Okay. Nous, au sein de, donc exactement comme Aurélie l'a dit, on a déjà bien réfléchi et on fait des réunions ponctuelles pour voir l'avancée du projet.
Ce qu'on souhaiterait après, c'est passer au niveau de la filière et pouvoir présenter les centres et que ce soit très clair auprès de vous. Est-ce qu'on pourrait prévoir un calendrier, effectivement, de, par rapport au calendrier suivant, d'organisation par la, aussi auprès de la filière pour avoir la stratégie du territoire, alors, en sachant que pour les demandes, la bénédiction, si j'ose dire, de la filière est requise. Mais bien sûr, on suivra a priori l'avis de chaque réseau. Mais c'est plus une politique un peu globale qu'il faut, sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord. Absolument, c'est ça. Pas, voilà. Je pense qu'il ne faut pas une inflame, il ne faut pas qu'on multiplie par 3 le nombre de centres constitutifs, parce que là, ça a peu de chances de passer. Donc c'est, nous, on va essayer de sonder la DGOS aussi, voir s'il y a une tendance, s'il nous conseille des choses. Mais bien sûr, on partira des réseaux individuellement, avec qui, elles, ont déjà eu un, commencent à avoir un retour sur les centres qui souhaitent être upgradés, si j'ose dire. Ouais. Et si on peut anticiper ensemble ça, mais par des, plus que par le courrier uniquement. Oui, ce qui est très difficile, c'est d'anticiper sans avoir les informations. En fait, c'est ce qui nous manque vraiment actuellement, c'est de connaître ces nouvelles conditions. Ce qui pourrait reprendre exactement les conditions de 2016. Et là, on pourrait déjà faire les réunions. En revanche, s'ils commencent à mettre d'autres conditions par rapport aux centres existants ou autres, ça va devenir un peu plus compliqué d'anticiper. Donc, Oui. En sachant que le critère éventuellement bloquant d'un travail de recherche en tant que PI, ça, lors de la précédente labellisation, il y avait eu des, si j'ose dire, des tolérances. Hein. Mais alors, mais cette tolérance n'avait pas été bien strictement définie. Hein. Il y avait une question, Mathias. Oui, merci. Donc Mathias Ruiz à Lyon. J'avais une question sur, peut-être que vous allez en parler après, mais sur les quantifications des files actives là, pour la relabellisation. Est-ce que ça va être des données extraites de Bamara, sachant qu'il y a eu des difficultés quand même des transferts des fiches Colémara ou Orbis dans Bamara, ou est-ce qu'il y aura un autre mode de quantification, si vous savez? Mais ça, c'est pareil, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On pense que le remplissage Bamara, oui, sera demandé, surtout pour les centres de référence. Après, sur les centres de compétences, je ne sais pas s'ils vont vraiment... Est-ce qu'ils prendront une file active sur un mode déclaratif, ou est-ce qu'ils prendront exclusivement des données extraites de Bamara? Là-dessus, on peut pas le dire pour le moment. En sachant que le nombre de patients requis par file active est quand même pas très 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 élevé, donc habituellement c'est pas un critère. Oui, mais il y a une part de enfin, une part variable aussi. Oui, sur pardon, excuse-moi, Emmanuel, je pense adulte là, mais... Oui, puis il y a une part variable aussi liée à la file active dans les financements des centres. Oui. En revanche, nous, ce qu'on avait dit, hein, un comité de pilotage ou un comité directeur, c'est que les centres qui souhaitent postuler, donc devenir centre de référence constitutif, il y aura une aide, l'aide des arts qui est de toute manière là pour tous les centres, mais en vue de la relabellisation, il y aura une aide plus soutenue sur les centres qui souhaitent avoir cette labellisation de centre de référence pour justement que la file active soit à jour. Très bien. Et donc, Alors, la suite, là, c'est la suite immédiate. Hein. C'est la finalisation des actions sur 2021. Donc, bon, poursuite du recensement Bamara, ça, c'est quelque chose d'actuel et puis au fil de l'eau. Le suivi du diagnostic, donc, Amina en a un petit peu parlé. Sur la rédaction du cahier des charges pour la prestation des architectes, on attendait la diffusion du guide de codage, c'est chose faite, donc ça c'est en décembre. On lance la prestation pour les architectes pour faire la vérification de données sur les CRMR coordonnateurs, la publication du PNDS CBP. Les réunions, il y a une nouvelle réunion, il y a des réunions préparatoires actuellement qui se tiennent sur l'ALD pour revenir vers la CNAM. Et la replanification de la réunion 2021 lien aux associations
qui aurait dû avoir lieu, il me semble, la semaine dernière et qui aura finalement lieu le 14 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau recherche, donc, la mise à jour de la veille des appels à projets, vous les aurez dans la newsletter de décembre, et la parution de notre bulletin recherche hors série. Hors série, ça veut dire revenir sur la journée recherche, notamment à laquelle qui n'était pas accessible en ligne. Donc on va faire un résumé sur ce bulletin recherche. Le soutien réglementaire des projets en cours. Au niveau européen, on est en train de finaliser, de résoudre les blocages administratifs pour le financement du CEF 2020. Et pour la formation, actuellement, donc, il y a les tournages et des vidéos pédagogiques, des trois vidéos, une par réseau, sur Bézès Clair, sur les MVPS et sur les chintes portosystémiques. Et puis la mise en ligne des présentations qu'on aura eues pendant ces deux jours, ainsi qu'une enquête de satisfaction sur les journées qui vous sera diffusée. Et la poursuite des recrutements. Donc, poursuite des recrutements de la personne qui me succédera, de l'ARC pour la région Ouest et du Data Manager, qui est un profil rare, complexe à recruter. Sur 2022, donc on a pas mal de sujets. Je ne vais pas les voir en détail, parce que tout le monde, vous les avez vus dans les planches précédentes. Je vais juste mettre l'accent sur le livret d'information aux patients, parce qu'on n'en a pas parlé. Sur 2021, il y a eu très peu de disponibilité avec les PNDS pour travailler là-dessus. Donc c'est un projet qui va vraiment être mené sur 2022. Pareil pour les actions transition. Donc ça, c'est l'arrivée du Data Manager qui va relancer cette base de données de la transition à laquelle nous tenons tous et qui doit être mise en place. Et puis, ça, je le cite parce que c'est assez emblématique du fonctionnement de la filière. Sur le projet 2022, il y a la mise en place d'une page de score sur le site Filfoi. Ça, c'est un besoin qui nous a été remonté très récemment par Paul Brousse sur le score sur FASA. Et finalement, c'est par les remontées des centres, par les besoins que vous nous transmettez, qu'on construit aussi nos plans d'action. C'est-à-dire qu'on a un plan d'action de base qu'on enrichit avec toutes les demandes que vous pouvez nous faire et toutes les idées, finalement, que vous avez. Parce que on est beaucoup plus compétents et pertinents à plein de cerveaux qu'à quelques-uns. Sur la recherche, donc ça, la reconduction de la journée recherche Filfoi, donc en 2022. Et puis une action sur la formation, donc Gab l'a cité, mais nous sommes à la recherche d'un centre en région qui voudra organiser une journée maladie rare du foie. Et puis le MOOC, on espère pouvoir l'ouvrir donc au printemps 2022. Voilà, et si vous avez des questions par rapport à tout ça. Ça, j'en parlais. Super. Ouais. Et dernière ouverture. Donc ça, c'est 2022. Et puis, il y aura 2023. Et 2023, normalement, c'est la relabellisation des filières. Donc, on va d'abord avoir la relabellisation des centres effectifs en 2023. Et les filières suivront. Donc, notre relabellisation des filières, ça datait de 2019. On avait rédigé un plan d'action. L'idée, c'est que suite à la relabilisation des centres, l'appel à projet relabilisation des filières soit émis avec, on l'espère, un PNMR4. On ne peut pas vous l'annoncer aujourd'hui parce qu'on ne nous l'a pas annoncé, donc on ne sait pas. Mais on imagine qu'il y en aura quand même un et sur lequel on se basera pour définir le plan d'action Filfoi sur les années peut-être 2023-2028. Je sais pas. Voilà, si vous avez des questions. Très bien. Le tournage des trois vidéos ouais. Par réseau. Ou c'est pour le grand public. Alors, ce sera sur le site, ce sera dans les outils pédagogiques. Ouais. Je pense que le grand public n'est pas forcément. Il y a des vidéos. La vidéo MVPS, ce sera sur les maladies. Je réponds. En fait,
Les trois vidéos sont à destination des patients. C'était des besoins remontés par les réseaux, où en fait, voilà, pour que le patient puisse retrouver, parce qu'aujourd'hui avec Filfoy qui est assez, on va le voir dans le bilan juste après, assez présent sur les réseaux sociaux, le site internet, les patients arrivent à consulter du contenu, mais qui est en fait à destination des professionnels de santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va leur proposer du contenu vraiment destiné à eux, où ils vont comprendre ce qu'on va leur dire, parce que sinon, voilà, le besoin a été remonté par des médecins de nous dire. Juste une question. Non, mais voilà, je vous précise que ce sera plutôt grand public, mais vous pourrez du coup, si vous avez des patients, les rediriger vers de telles vidéos. Là, il y en a trois, on va voir comment ça évolue, quelle est la réception. Donc c'est ça, qu'on soit au courant et qu'on les oriente. Voilà. Pour aller regarder. Et en revanche, les MOOC, ce sera pour les professionnels. Voilà, le MOOC, ce sera vraiment pour les professionnels. Et on sait un peu ce qu'il y aura comme thématique. Il y aura accès à tout le contenu du MOOC. Vous aurez la possibilité d'en faire une partie. Ce sera divisé en modules. Et vous aurez la possibilité de faire un module plutôt qu'un autre. Sinon, tous les modules, évidemment, pour avoir plutôt une certification d'avoir bien réussi le MOOC Filfoy. Mais voilà, si vous êtes déjà pédiatre, vous n'avez peut-être pas besoin de voir toutes les maladies en pédiatrie, vous allez peut-être voir les maladies côté adulte. Et inversement, dans ce sens-là, on laissera libre, enfin, la liberté d'aller consulter les modules qui vous intéressent le plus. Voilà. Je crois que le RN fait un peu la même chose, va avoir un côté formation validant. Je ne sais pas si on interagit sur ça avec le RN pour essayer d'avoir... si quelqu'un a fait un module ERN, un module Filfoy, etc., est-ce qu'il est validé? Je ne sais pas s'il y a une interaction d'anticiper ou pas. Enfin, voilà, c'est une question aussi. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est, je ne crois pas que vous ayez parlé des podcasts où je n'ai pas suivi, mais il y a aussi des podcasts à destiner des généralistes. Voilà, et qui ont été faits sur un certain nombre de maladies. Pour orienter les patients, leur dire d'aller sur Filfoy, vous allez voir, pourtant j'y vais, hein. Mais c'est, pour moi, ce n'est pas très lisible. Il faut quand même quelque chose, une information très, très rapide. En un coup d'œil, il faut qu'on ait vu, quoi. Parce que sinon, on est tous pareils, hein. On quitte le site. Il y aura un bilan dédié hein, sur la communication. Olivier. Donc, ce bilan communication aura lieu après la pause, puisque là... On avait dit que c'était le moment le plus joyeux, si j'ose dire, de la remise des prix recherche. Ah, pardon. Oui, Olivier, je suis désolé, je devrais être au courant, mais où en est la question du diplôme interuniversitaire des maladies rares du foie? Le projet. Écoute, c'est vrai qu'il n'a pas énormément avancé au cours de l'année écoulée. Oui, le projet de DU devait en fait se faire juste après le MOOC, qui a pris lui-même du retard. Et le comité pédagogique est extrêmement sollicité. Le MOOC prend un peu plus de temps que prévu et on ne veut pas mettre le DU en même temps parce qu'on va solliciter les mêmes personnes. Et on sait que ça risque d'être trop complexe à gérer. Donc dès que le MOOC sortira, on enchaînera sur le projet de DU. Oui, Angela ? Oui, j'aurais voulu dire, donc Angela Leburg, Association Albi, il ne faut pas oublier une ressource importante pour les patients, qui est quand même le site des associations de patients, avec un langage tout à fait adapté pour les patients. Donc, bien sûr, il y a Filfoy, mais il ne faut pas oublier les associations de patients. Voilà, merci.